Voici la première page, donc c'est Bulldog Journal. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Alors, j'arrive pas du tout à régler, parce qu'en fait, c'est la première fois que j'utilise la caméra qu'on m'a offert. Et du coup, j'ai énormément de mal à régler. Ouais, ok, alors je me suis trompée, excusez-moi. Donc, c'est la première chaîne que j'ai connue, et la première vidéo que j'ai connue, c'est celle-là. C'est Bullet Journal, explication Flip Truth. Ouais, je ne sais pas parler anglais. Donc du coup, voilà, alors, si jamais il y a quelqu'un qui sait comment sur la caméra régler pour que ça fasse... Vous savez, sur le téléphone, quand on appuie une fois, ça remet comme il faut, et là, j'y arrive pas. Et du coup, grâce à Emily de Bulldog Journal, j'ai connu Beauberry. Donc j'ai regardé pas mal de ses vidéos sur son organisation. Elle, c'est une des plus grandes bullet journalistes que je suis, franchement, parce que son organisation est juste topissime. Donc je vous laisse aller voir. Franchement, ça vaut vraiment le coup. En plus, sur ces différents Plan With Me, et ben, à chaque fois, elle fait des choses différentes pour essayer des différentes choses et tout. Du coup, vous pouvez voir les différentes structures que vous pouvez apporter. Donc, c'est vraiment génial. Et ensuite, nous allons passer à tous ceux que je connais. Et là, on va passer à ma petite préférée. C'est Study Quill. C'est grâce à elle que j'ai un petit peu redébloqué mon bullet journal que j'ai actuellement. Je me suis inspirée de plein de pages d'elle. Elle fait des choses super bien, simples, mais efficaces. Donc, je vous laisserai aller voir. Ensuite, une autre, c'est Alexandra Plan, qui fait vraiment des super bullet journal. Mais alors, pour tous ceux qui aiment dessiner et tout, allez-y, qui aiment mettre des couleurs, allez la voir, parce que ses bullet journal, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ensuite, une que nous connaissons énormément par les Français parce qu'elle a écrit un livre, c'est Zonzon Blog, qui fait des vidéos bullet journal, et elle a écrit un livre, c'est le petit guide pour grand bullet, je l'ai, et franchement c'est juste une tuerie. Donc il a même pas 10 euros, si vous voulez allez l'acheter, et franchement j'adore. Ensuite nous avons les astuces de Margot. Donc je l'ai connue justement grâce... Je crois que j'ai trouvé comment régler, mais je suis pas bien sûre. Je teste aujourd'hui, je teste. Ouais, on va faire comme ça. Donc, les astuces de Margot, je l'ai connue justement grâce à sa première vidéo bullet journal qui expliquait les différents bullet journal que nous pouvons faire. Et du coup, tous les mois maintenant, elle fait les Plan With Me qu'elle vous met en vidéo. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse aller voir. Une autre que j'aime énormément, c'est Erin Flotto Designs, qui
qui fait vraiment des super bullet journal, pas trop sophistiqué dans la simplicité, mais bien. Elle fait quand même des dessins et tout, et ça peut valoir le coup. Voilà. Ensuite, nous allons retourner à une Française, c'est la Belette Grosgrine, voilà, que j'ai connue par le biais justement du bullet journal. Alors, elle ne fait pas que des vidéos bullet journal, mais honnêtement, c'est une petite chaîne, mais je vous conseille d'y aller parce que franchement, ses vidéos, c'est vraiment super. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Elle fait un super bullet journal et ses autres vidéos aussi, ça vaut le coup. Si vous êtes très dans le bio, dans le zéro déchet, etc., et ben foncez. Allez-y, regardez ses vidéos, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, nous retournons, je crois qu'il ne reste que des Américaines, c'est Kathleen Scorner. Voilà, donc pareil, des bullet journal, elle plutôt simple, mais efficace et j'aime bien. Voilà. Au moins c'est conscrit, je crois qu'on dit. Ouais, il me semble. Et voilà. Ouais, ça vaut le coup. Ensuite, Create with Ancakes. Voilà. Qui fait des bullet journal. Alors, elle, par contre, qui sont très dessinées, mais j'adore. Elle fait dans un cahier, si vous voyez là. Mais franchement, elle fait des trucs vraiment, vraiment magnifiques. Donc, si vous avez envie d'avoir des petites idées pour dessiner, etc., je vous laisse y aller. Ensuite, là, nous allons passer à un de mes coups de cœur. C'est Doodle des Darlings. Alors, qui fait un bullet journal, mais magnifique. Elle adore dessiner, mais franchement, les dessins qu'elle fait. Oh, wow. Elle fait les dessins à la semaine. Elle avait fait une page de Star Wars, une page de Livre de la Jungle, je crois. Enfin, elle fait énormément de dessins. Et c'est juste magnifique. Et sur l'organisation, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, la dernière que j'ai découverte récemment, c'est Sarah Churchill. Voilà. Donc elle ne fait pas que des vidéos bullet journal, mais voilà, elle fait quand même pas mal de bullet journal. Là, vous voyez, la dernière vidéo bullet journal, c'était le plan de mai. Donc je pense qu'on va pas tarder à avoir le plan de juin. Et voilà, j'aime aussi beaucoup ses vidéos. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Ça peut valoir le coup, voilà. Je sais que moi, au début que j'ai fait le bullet journal, j'étais un petit peu perdue. Donc j'aimais bien aller voir plein de vidéos YouTube. Et j'ai dû quand même sélectionner des personnes parce que ben on voit tellement de personnes qui font des vidéos YouTube sur le bullet journal qu'on s'y perd vite. Donc voilà, moi là je vous ai mis vraiment mes favoris. N'hésitez pas à me dire vous si jamais vous connaissez des chaînes de personnes qui font des bullet journal, ben, surtout pour l'organisation parce que moi encore tout ce qui est dessin et tout c'est pas mon plus grand kiff. Moi ce que je préfère c'est vraiment être organisé au maximum. Moi, je veux pouvoir que l'organisation soit de mieux en mieux, quoi, à être topissime. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des chaînes que je ne vous aurais pas citées. Et du coup, je vais vous laisser là pour ma vidéo, vu que je vous ai montré à peu près les chaînes. Je suis bien évidemment d'autres chaînes où les femmes ou les hommes même font des bullet journal. Mais c'est vraiment mes petits chouchous, mes petits coups de cœur que je vous ai montrés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je suis vraiment désolée pour la qualité. Faut vraiment que je sache comment régler le caméscope. Voilà. Je ne sais pas du tout comment on le règle le caméscope. Donc faut que j'arrive à trouver comment régler. Mais je vous promets que les prochaines vidéos seront mieux. Donc voilà. Je vous souhaite de nouveau une excellente journée ensoleillée et je vous dis à bientôt!